Pour ceux qui ne se rappellent pas, les gars, là, c'est la Super League avec les 20 plus gros clubs du monde. Et vous avez le Orlando Pirates qui compte que des joueurs africains, dont le capitaine, Monsieur Amin Zaki, 94 de général. Sachant qu'on a un club qui gagne jamais à domicile. Wesh, Benfica en première ligue. Tiens, tiens, tiens. Le ballon pour Achraf Hakimi. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Wesh, la vieille frappe. Il peut tenter sa chance. Oh, la frappe a été bien faible. Hein. Oulala. Enfin le moment. Voilà le premier match sous ces nouvelles. Attention à l'équipe de Benfica qui attaque. Ce qu'il manquait, c'est un profil capable de mettre un peu de magie dans les attaques. C'est quoi la magie? C'est occasion avec cette. Et Benfica, les gars. Damn. Et 6000 sur 8, 10 sur non. Ah ouais, attention les gars. Pour l'instant, Zaki invisible. Vous avez vu hier les hypocrites? Ils étaient là, ouais, De Bruyne éclaté, De Bruyne qui loupe tout, etc. Tu sais, les commentateurs. Et après, ils faisaient que de le sucer jusqu'à il a été élu homme du match. Il est pas dans son match, non. Frère, c'était le meilleur joueur sur le terrain. Qui va tenter de porter le danger. Mais Kamavinga était chaud de ouf. Allez, peut-être, pourquoi pas, le danger là. Wesh. Mais attends, les bots, ils jouent vraiment bien de ouf, hein. J'avais oublié ça, on dirait on est sur fut là. Cette année, vraiment, objectif 10ème place. On a été maintenu de chance là. Ouh, Zaki. Zaki, premier ballon dangereux. Et le but, mesdames et messieurs. Let's go. Let's go, monsieur Amin Zaki. Zaki Nazaki. Merci, monsieur Ryan. Allez. Tac. Tac. Tac, le football, le contrôle, la frappe pied gauche. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bombasso. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Oui, égalisé juste avant la mi-temps. Ça brouille un peu. Bonjour, Timon, bien quoi. Dans une très bonne disposition de... On n'a pas encore mis la musique, puisque à force de s'enflammer à chaque but, final, on se prend des remontadas, les gars, c'est une dinguerie. Et on aura le droit à une petite minute supplémentaire. Ante Rebic. Oh là 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 là, Seigneur, merci. Mi-temps, les gars. Mi-temps, Zaki buteur, c'est magnifique. T'as combien d'argent sur cette carrière? Combien d'argent? Bah écoute, je dois avoir plus rien là, j'ai Zaki. Hein. Je crois que je dois vraiment avoir zéro. Je dois avoir plus rien. L'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Allez, waouh. Ok. Le ballon pour Rebic. Dommage. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Dommage, dommage. Allez, on se réveille. Et ok. Peut-être l'occasion de mener au score. Ok. Ça joue sur Ante Rebic. Wouhou, la frappe est bien contrée. C'est parti, Zaka, la récupération. Boufal qui récupère, qui décale sur le côté. Gros pressing de la part de Benfica. Africa United qui souffre. Ils n'ont pas les armes pour lutter face à cette équipe. On compte sur Amin Zaki. Putain. Wesh. Oh les gars, la vie c'est dur. Oh la vie c'est dur de ouf. Comment il m'envoie comme ça? En général, à cette distance, ça fait but. Allez, gardien, je suis là cette fois-ci. Voilà, gardien, tranquille, on compte sur toi. Voilà, merci. Et ça part de l'autre côté. Amin Zaki qui va faire reculer cette défense. Le génie marocain, le champion du monde. Oui, la passe. Oh là, j'aurais dû aller tout seul. En vrai, Zaki, on l'a acheté pour qu'il y aille tout seul.
va devoir grave y aller tout seul. Et les gars, ils sont plus forts sur FIFA que dans la vraie vie. Normal, je suis en ultime, les gars. Ah, il lève bien la tête. Et le gardien s'illustre bien. Ah, il élimine son adversaire. Wesh, c'est trop, les gars, comment ils sont chauds. Ouais, il y a Minzaki qui pose le jeu. Tranquillement, les gars, on y va. Tac. Là, passe trop vite pour Minzaki. Voilà, le changement de rythme, putain, c'est bien fait. En excellente position pour... Oh là 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 là, j'y ai cru. J'y ai cru. La souplesse prime sur l'arrêt d'or. Allez. Toujours. On roulait comme ça, deuxième poteau, même pas. Les chiffres disent la même chose que nous. C'est un match frénétique. Ouais, mon gars, vas-y, vas-y. Exactement. Dans les pieds, voilà, tac, tac, tac. Tac, contrôle. La frappe enroulée. Le doublé. Le doublé, mesdames et messieurs. Aïe, 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 incroyable cette frappe. Est-ce qu'on va gagner maintenant ce match? Est-ce qu'on va gagner ce match? Voici la prédit. Tiens, tiens, tiens. Ah, c'est un petit but avec une grande importance car il donne une avance qui pourrait être définitive à l'autre équipe maintenant de tout faire pour revenir. Wesh. Oh la D. Oh là, c'est rouge, hein. Oh, le tac de fou furieux, les gars. Magnifique, non. Elle passe. Wouh. Oh mon dieu. La défense s'en sort. Oh Zach. Putain, j'avais vu Zaki, pourquoi tu la donnes à Bouffal, toi? T'as rien compris. Dommage pour l'égalisation. Mais regardez, c'est peut-être une nouvelle chance avec cette action. Aïe. Aïe. Voilà, encore. C'était prometteur, mais la défense est attendue. Et c'est parti, tac, tac. On joue avec Zaki, l'organisateur du jeu, voilà. Il change de côté, ça part avec l'Orche. Plus que 10 minutes à jouer seulement. La vitesse de l'Orche qui revient derrière, attention, il reste 10 minutes. Est-ce qu'on va gagner ce match? Effectivement, j'ai hâte de voir ces deux équipes s'affronter. Pour n'importe quel fan de football, c'est une position très intéressante. Allez les gars, restez focus. Cette occasion est hyper importante. C'est peut-être l'une des dernières pour tenter de recoller au score. Non, let's go. Oh, j'ai eu chaud. Change de côté, voilà. Wesh, les rapides, oui, frère. Récupération. Voilà. Tête d'homme. Est signalé par l'arbitre. Ça y est, frère, ils sont trop chiants. Alors, on s'attendait à... Bienvenue tous ceux qui s'abonnent, welcome. Finalement, ça ne sera qu'un avertissement verbal. L'arbitre a fait preuve d'indulgence. Salut Yazid. Non merci, j'ai pas envie de le mettre en pointe, Zaki, c'est pas un attaquant. La frappe. Surtout que moi, comment je joue les attaquants, ils touchent pas beaucoup de ballons. Genre la Bouffal, il est inexistant, tu vois. Pour la défense. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. Et ça joue avec David Neres. La grosse occasion pour égaliser peut-être. Let's go, merci. C'est parti. Ouh, la victoire. Ah, ça fait du bien, la première victoire. C'est une courte victoire, mais peu importe. La première victoire, mesdames et messieurs. Et merci, monsieur. Toujours invaincu. Qui veut me duel? Tiens, tiens, tiens. Il y en a, ils veulent que ça. Même pas de bonjour, Giancarlo. Doucement. Doucement, Jack. Voilà. Là, on peut accepter les interviews. Là, on peut discuter, mon ref. Allez. Bouffal en faux 9. Non, là, il est très bien en vrai. C'est un bon pivot, là. Il se comporte déjà comme un faux 9 en vrai. Alors, avec 2 buts et 1 victoire, Makarinje a été le héros du match. Quel est votre sentiment? Eh ben, écoute, bonne performance globale, frérot. Il n'y a pas que lui. On est dans la globalité, nous, madame. Vous avez remporté ce match serré grâce à un but décisif en seconde période. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Eh ben, écoute, on est tourné vers notre prochain match, madame. Question suivante.
Elle débite, hein. Vous avez renversé la tendance en marquant un but. Le score a été serré. Pensez-vous que les joueurs... étaient capables d'empêcher la victoire? Mais bien sûr, frère. Bien sûr, j'ai confiance en mes joueurs, madame. T'es conne ou... Tu fais exprès, là? Il casse les couilles, celle-là. Allez. Qu'est-ce que ça va donner au classement, les gars? 9e au classement, 10 buts. 9 encaissés. On va jouer contre Arsenal. Attention, Arsenal. Mais attends, mais qui est descendu l'année passée? Parce que nous, on a joué le maintien. Attendez, je vais aller voir. Mais après, hé, les gars, avec la Super League, la... du coup, la Ligue des Champions, ça doit être éclaté, hein. Il n'y a personne en LDC, wesh. Regardez, il y a qui en LDC, les gars? Brest, Sparta, Prague, Fulham. Ensuite, Dynamo Zagreb, UCT, Crystal Palace, Villarreal. Wesh. La LDC s'est éclatée, du coup. Nantes, les gars. Ah ouais. Porto est monté. En fait, là, les trois clubs qui sont montés, c'est trois clubs... trois clubs portugais. Les Marseillais, je les ai mis carrément en 3ème division. Ils sont restés en 3ème division. Ça montre vraiment leur niveau exécrable. Alors, 2ème division, comment ça se passe? Monaco premier. Leverkusen. Wesh, Al Nasser, les gars, avec Ronaldo. Devant Dortmund et tout, hein. Putain. Napoli 9ème. Roma 14. Non, non, ok, ok. Imaginez, ils montent. Imaginez, Ronaldo, il fait monter. Al Nasser. Hello baddies, bien ou quoi? Lyon premier, Nice, Rennes, Lille, Saint-Etienne. Oula, Saint-Etienne, Marseille. Il y a plein de clubs différents, c'est normal, exactement, frère. J'ai fait une Super League. J'ai fait une Super League, trois championnats. Trois championnats avec level, hein. Histoire qu'on s'ennuie pas en carrière. Parce que l'écart, c'est ennuyant, en vrai. C'est toujours la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours une prédit, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, les gars. Est-ce que le Milan AC va marquer en premier ce soir face à l'Inter de Milan? À votre avis? Deux jours de repos après Nice, comment ça? On va faire jouer Cody. Y a qui d'autre aussi? Il y a lui, Ibrahim, là, faut qu'il joue lui. Ah, j'avais oublié que j'avais lui. Mbomba. J'ai Moriba aussi, il est chaud. Zaki, vous connaissez. Boufal, vous connaissez. Boufal, saison prochaine, je le vends. Ah, après mon match. Ah, mais c'est un match de coupe sûrement. Prédit victoire. Bah ouais, on a gagné. C'est l'homme en forme de cette... Et là, les gars, ça va être prédit victoire. On se retrouve tout de suite pour vivre ça ensemble. Tac et tac, let's go. Petite prédit victoire. T'as vu le match Real contre City? Ouais, j'ai vu. J'ai vu comme tout le monde, hein. J'imagine, tu te doutes bien. Omar Da Fonseca donc avec moi et au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. C'est parti pour ce match. Arsenal vs Africa United. Orlando Pirates. Quelques minutes avant le coup d'envoi, l'attention, le bruit, les odeurs, les supporters qui chantent. C'est déjà match. Pénou ou pas sur Guidlish? Pour moi non. Mais vous avez vu, les gars, le but, là, la balle, elle était sortie, hein, finalement. Le but de De Bruyne. La balle, elle était sortie, wesh. Dinguerie. Voici la composition des Gunners. Mais par contre, normalement, il y avait au moins un péno pour le Real. Hein. Il y a eu tellement de mains. Il y avait une main, les gars, c'était trop, les gars. C'est le schéma pour avoir la possession du ballon. Après, heureusement. Après, toutes les mains, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, les mains, elles étaient collées au corps. Mais il y en avait au moins une qui, normalement, qui devait aboutir à un penalty. C'était trop. Surtout celle avec un extérieur du pied de Vinicius.
Parce que c'est quand même une main qui dévie le truc, quoi. Mais bon. Ça va et toi? Allez les gars, c'est parti, on va affronter Arsenal maintenant. Dans la quatrième journée. On va essayer de faire la différence directe dès le début là. Zaki qui a le ballon. Oui, la belle incursion là. Aïe. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Monsieur Amin Zaki. Un but au Tottenham Hotspur Stadium. Oui, okay. Oui, il s'agit okay. Du premier but en faveur de Tottenham. Un but à zéro donc après 5 petites tranquille. Minutes de jeu. Merci. Et tenez-nous au courant de la situation. Tac. L'équipe locale qui aborde ce match avec une stat déstabilisante, hein, c'est tout. Oh là 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 là. Zaki. Zaki. Non. Oui, ça rentre. Let's go les refs. Let's go monsieur Amin Zaki, le meilleur joueur du monde qui porte le continent africain. Ça fait 1-0. Ça va très bien se passer. Regardez, tac, extérieur du pied de Boufal. Action 100% marocaine, les piquettes. Il continue à nous faire rêver, le petit marocain. Le jeu reprend. Et tiens à toi. Oh, j'ai pas fait exprès, monsieur l'arbitre. Oui. Enfin, je gagne un club. ABJ. Hein. Et voilà un jaune très tôt dans le match. L'arbitre s'impose. T'es marre. Couché au. Ce sera tolérance zéro. C'est maintenant au protagoniste de maîtriser la nervosité et de s'adapter surtout. Allez, le ballon vient se loger dans les gants du gardien. Boufal. Il y a encore l'extérieur du pied. Putain, dommage. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Il faut prévoir pour savoir et savoir pour agir. Oui, le ballon est intercepté. Ok. Patrick Schick à la réception. Tac. Alors il y a faute. Tac. Fait signe de dommage. Continuer. Il laisse l'avantage. Pas mal. Ok, Saka. Et. Compliqué de défendre sur Saka. Oh la main! Super l'intervention! La main, monsieur l'arbitre. Putain, dommage. Que on fait partir Zaki? Merci Soko. Bonne séquence d'attaque placée dans le camp adverse. Voilà, changement de côté. Et ça joue. Ashraf Hakimi. Ouais, centre au deuxième poteau. Quel but. Bouffal ici vers ça genre. Putain. Damn. Merci monsieur Bouffal. Je pense que tu vas gagner 2-1. Je sais pas, mais ça m'a l'air très bien parti tout ça là. Action encore une fois 100% marocaine. Zaki pour Hakimi, Hakimi pour Bouffal. Ah ouais. C'est limite une équipe raciste là. Une fois, ok, mais deux fois de suite quand même. Action 100% marocaine. Moi je trouve ça bizarre. Ah, je rigole. Une balle jouée en profondeur. Attention. Oh la D. Et un but peut-être pour revenir à une longueur. Putain, il est passé. Et oui, voilà. Il est passé haut. Un but de retard maintenant. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2 buts à 1. Vas-y, viens ici. Voilà. Hop, voilà, c'est parti. Alors qu'un but vient d'être marqué sur une autre pelouse. Change de côté. On va aller voir voilà. De quoi il s'agit. Dans les pieds. Oui, voilà. C'est le premier but voilà. Pour Chelsea. Il a été inscrit par N'Golo Kanté. Il a juste poussé le ballon dans la cage. Ça fait donc un but partout après 26 minutes. Ok, merci. Dommage. À vous. Et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Un bon contre à jouer peut-être. Ballon pour Patrick Schick. Quelques secondes pour temporiser. Ouais, ça y est, Martinelli, ouais. Il y a une prédit ou pas, ouais. Ah, ça fait des ouais, ouais. On entend parler de lui au rayon des transferts. Une prédit pour ce soir et il y a déjà une prédit pour ce match. Effectivement, c'est un dossier que tout le monde. La prédit, c'est est-ce que je vais gagner. On parle d'une pépite du football mondial. Voilà, monsieur. Mbemba. Bien sur le côté. Tac, tac. Il reçoit le ballon. Tac, voilà une tac. Défensive pour gagner du temps.
Ouais, il est passé, c'est bien fait. Vas-y, waouh. Super anticipation, la passe est parfaitement coupée. Ah, le contre est possible. Et attention, là, on me signale qu'il y a un but qui vient d'être inscrit à Anfield. Oui, 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 il s'agit du premier but pour le FC Porto. Après tout ce qu'on a fait. Hors jeu. Je regarde pas hors jeu. Quel geste ! Ok. Je là-bas, ouais. Ouais, mon gars. Tac, tac. Ça part là-bas sur le côté. Hakimi, il arrête du mais ballon. Non, mais Hakimi. Hakimi qui perd le ballon là. Oui, voilà, c'est ça qu'on veut. L'arbitre, si mi-temps 2-1, let's go. Beau, hein, c'est, de voir... c'est quoi la prédit pour ce soir? Est-ce que le Milan AC va marquer? Vous savez qu'ils ont loin d'être la meilleure défense de la compétition. Est-ce que le Milan AC va marquer en premier? Ils marquer plus que leur adversaire pour gagner. Mais aujourd'hui, ouais, je te demande à miser oui. Par pitié, ne laissez pas DG gagner. Misez non. Misez non à un moment donné, wesh. Regardez la prédit. 5 sur 8, 1 sur non. Code x 2. Voilà. Ne laissez surtout pas DG revenir par pitié. Soyez malin. Faites comme Ryu, misez la cote. Et c'est reparti. Le match. Ah là là. Les Gunners sont toujours menés d'un but. Voilà, monsieur. Parce qu'on me dit qu'il y a une alerte à un but au Tottenham Hotspur Stadium. Et oui, c'est le troisième but pour Tottenham. Vas-y. Ce qui hop, porte maintenant hop, le score hop, à 3 buts à 1. T'es parti sur le côté. 48 minutes de jeu. Hop, ok, merci hop, pour l'info. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Tac, contrôle, frappe. T'as la frappe de tonton. Au-dessus de la barre transversale. Complètement raté cette tentative. Raté le cadre, c'est une. On parle quand même de l'Inter, forcément, on met 8. Tribunes, ah ouais. Voilà, footix. Ça veut dire, toi, pour toi, l'Inter, ils sont éclatés. Attends, je suis choqué. Et au programme de notre retransmission, nous vous proposons cette rencontre Arsenal à le Parc. Les gens ne connaissent pas l'histoire de l'Inter de Milan, les gars. On ne sait pas ce qu'on cherche et on est rarement satisfait de ce qu'on trouve. Dommage. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Bukayo Saka. J'ai regardé leur dernier match, pas ouf. Mais faut pas juger sur un match. Donc une personne, vas-y, on va regarder le match de... On va regarder le match PSG vs Lorient. Victoire 3-1 Lorient, donc c'est bon. Le PSG est éclaté. Le ballon pour Hakimi. Je te croyais dans la recherche. Oh, le geste tout en finesse, ça se joue à rien du tout. Voilà, sur la table, c'est comme si c'était toi contre moi. Comment ça? Ah ouais, parce que moi j'ai misé 100. Ça m'énerve, je suis plus premier là. C'est Ryu le premier, bordel de merde, de ce vieux classement. C'est un ballon intercepté. Allez, c'est parti. Ballon pour Sofiane Koufal. Je suis là. Hop, contrôle. À cette distance, pourquoi pas. Oui, dommage. C'est bien de se créer des situations intéressantes, mais c'est bon. Ryu premier, putain. Tableau d'affichage. Voilà, on en reparlera après quand je vais gagner ma prédit. Moi j'ai misé 8 aussi de toute façon. Mais il faut pas enterrer l'Inter, attention. Hein. L'offensive progresse bien, peut-être une occasion bientôt. Ouais, vas-y dépasser. Dommage. Long ballon aérien, la défense. C'est tendu en fait de jouer avec une équipe comme ça qui joue qu'avec un seul joueur. On joue qu'avec Zaki. Non. Merci gardien. Fou, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. C'est d'ailleurs leur première vraie chance depuis un moment. Allez, vas-y, tu l'as. Merci monsieur. Tu sors. Avec moi, avec moi, avec moi. Hakimi. OK, changement de côté là-bas. Voilà. Merci Soko. Tu penses prochaine mode carrière pépite? J'ai pas compris.
La question, elle veut rien dire là. Tu penses prochain mode carrière pépite? C'est-à-dire, si je vais faire une pépite ou si le prochain jeu de FIFA sera un beau mode carrière. Et une courte interruption juste pour vous informer qu'un but a été marqué sur une autre pelouse apparemment. En tout cas, j'espère, j'espère qu'ils vont faire des vraies améliorations. Au total, ça fait donc deux buts partout entre les deux équipes. Alors que nous en sommes à 76 minutes de jeu. Très bien, et tenez-nous au courant pour la suite du match. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Toute l'équipe y croit, la dernière chance peut-être pour essayer d'égaliser. T'es parti, allez, allez, accélère, accélère. Attention, bah ballon leur échappe. Et vas-y Hakimi. Non, par pitié. Ballon pour Patrick Schick avec Neuhaus. Voilà les gars. Très bien défendu sans commettre de faute. Merci. Et les voilà en possession du ballon. Merci Bouffal. Attention à ce ballon, c'est par-dessus la défense. Elle attaque, n'ira pas plus loin. Ballon perdu. Attention. Gros tacle assassin là. Ah, le prochain jeu, ouais, j'espère. On espère tous beaucoup d'améliorations. En plus, on passe de eSport FC. Enfin, on passe de FIFA à eSport FC. C'est bien parti. Non ! Oh les bâtards, dernière seconde. Perso, j'aimerais un NBA 2K en mode carrière. Ah, sur FIFA, ce sera incroyable. Quelle bande de chiens. Toujours comme ça FIFA. T'es là, tu joues bien, tu gagnes 2-0. Dernière seconde, ils vont forcément marquer. Le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et donc Arsenal doit partager les points. Et oui, encore deux buts concédés par la défense aujourd'hui. Mais la prédit, elle est dure. Ah là là, Seigneur. Les scripts. Malheureusement. Ça y est, le coup d'envoi est donné. Les scriptos. Après voilà, c'est quand même Arsenal en face. Mais ça fait trop de matchs nuls là. J'ai au moins 90% de matchs nuls. À cause des scripts. Regardez. Waouh, on va jouer contre Nice. Je pense pas que je fais ce match. Lui, il a une offre. Offre à 1 million. Et bah écoute, on va accepter mon ref. Grave accepté. Tac. Contre Nice. La victoire logique. Ah ouais, la cote. Tout le monde a misé non. Wesh les gars, quand même, respectez mon équipe un peu. Il y a quand même Aminzaki. Quand même. Et maintenant, on va affronter le Milan et la Juventus. Let's go. Thank you for your patience. We'll start taking questions now. Ça va, il n'y avait rien en vrai sur la table. Aucune équipe est parvenue à vous battre en 5 matchs. Ah frère, tu connais, on est chaud nous. Je pense qu'on peut continuer. Merci. Question suivante, s'il vous plaît. Quel est le poids de votre dernière victoire pour le prochain match? Ça va être un match. C'était un match difficile. Let's go. Tu parles de quel prédit qui dure combien de temps, Philo? Pour ce soir là? Il vous reste encore 16 minutes. Hein. 6 personnes pour oui, une pour non. Il n'y a que DG qui a voté non. Putain, ça fait peur ça. On va se mettre bien. Hein. Il va grave se mettre bien. Après, on va jouer à... Comment il s'appelle? On va jouer à... Comment il s'appelle? C'est le signe de jeu, là. Marble, je sais pas quoi, là. C'est bien, parce qu'il y a un classement général sur Marble. Genre, je suis premier depuis le début. Ah ouais, mon équipe est fatiguée, merde. Moriba, on va le faire jouer.
façon, Zaki, il est obligé de jouer. Hein. Fatigué, pas fatigué. Pas le choix. Là. Barbel, voilà. C'était pas moi le premier, non. Ah si, si, je crois. Non, même pas. Hein. Non, je crois que c'était moi. C'est moi le premier. C'est grave moi le premier, t'es un fou. C'est inévitable, il va être très observé. Allez, Zaki. Le meilleur buteur. Puisqu'il est leader au classement des buteurs. Alors, Sony Music, tiens. Salut à tous, la pluie, vous le voyez, qui a fait son apparition dans le panorama, évidemment, ça peut avoir une influence sur la qualité du jeu, avec le ballon qui fuse. Je suis donc dans la cabine de commentateur, accompagné, évidemment, d'Omar Da Fonseca. 27-05, je suis où, je pars au Sénégal. Et c'est ici un magnifique spectacle qui se prépare, sans aucun doute. Vous entendez les chants de supporters, l'odeur de la pelouse, la boule qui serre les ventres avant un match. Voilà, c'est ça le football. Comment tu fais la carrière de Carla Rico? Bah écoute, tu fais une saison normale, hein. Et tu fais genre c'est une carrière. Alors voilà la composition officielle de cette équipe. Toujours x3, non même pas, c'est x2 là. Là c'est x2. J'ai pas kiffé, Ryu est passé de 200 à 1300 là. Voilà, j'ai fait, ah ouais, bizarre. Je me suis un peu trop enflammé. En fait j'ai mis x3 parce qu'il n'y avait pas de prédit pendant 2 jours. C'était vraiment une prédit sur 2 jours, tu vois. Donc, je me suis dit bon, un petit x3, tu vois, ça fait plaisir. Mais ça l'a un peu trop fait plaisir. Vas-y. Dans la boîte. Bonne intervention défensive, okay. Aucune frayeur donc. Tac, tac. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Tac. Ouais. Allons bien travailler pour ce centre. Une bonne intervention pour éloigner le danger. Bon, j'ai pas envie de lui porter la poisse évidemment, mais on s'attend tous. OK. C'est leur meilleur buteur jusqu'à présent. C'est quelqu'un qui a une relation particulière. Raphaël là-haut, ça y est. Son placement est toujours parfait. Il a le GPS et tous les gadgets pour trouver le but adverse. Raphaël là-haut, il joue ce soir. Le pressing est payant. Ou il est blessé. Tout le monde compte sur lui. Sofiane Boufal. Vas-y. Excellent. Change de côté. Merci. Bianga. Boulet. Zaki, dommage. Et ça joue vers Achraf Hakimi. Hakimi qui a le ballon. Ah, dommage. C'est bien lui, ça. Bonne interception. On sait pas encore. Le gardien qui a réussi à garder le score nul dans ce match, mais ce n'est pas fini. Oh le bâtard. Ah ouais, le Milan c'est pas des lol, hein. Le Milan c'est pas des lol, les gars. Je vous mets une prédit, les gars, sur ce match là. Est-ce que je vais faire une remontada et je vais gagner? Je rappelle qu'on a quand même Amin Zaki. À lui tout seul, il peut gagner une équipe. Et la finition toute soyeuse avec ce ballon piqué par-dessus le gardien. Ce but, c'est la définition de l'élégance. Allez, viens là. Voilà. Denis Bouanga. Voilà. Une attaque et le danger se rapproche. La frappe de Zaki, mesdames et messieurs. Merci, monsieur Zaki. Voilà. Amin Zaki, les refs. Pour qui vous le prenez? Avec sa patte gauche, là, regarde-moi ça. Ah non. Il est trop fort. Il est trop fort, bordel. Attention, parce qu'il y a un but au Parc des Princes. Oui, c'est le premier but en faveur du Paris Saint-Germain. Un but à zéro, donc, alors que l'horloge indique qu'on joue ici depuis 23 minutes. Et merci, et tenez-nous informés. Wesh. Oh, il m'a lavé. Wesh. Doucement. Mais ça on peut pas... Attends, là, ce qu'il vient de dire, on peut pas le faire sur fut. Et ils inventent trop des gestes FIFA, ça y est. Y'a rien, oh le simulateur. Évidemment, il y a faute là-dessus. J'en ai vu des simulations.
faute et donc l'arbitre brandit mais là... le carton jaune. Oui, bonne décision. Ah, j'avoue, je l'ai touché. Oh, la tentative lointaine. Tu me prends pour qui ? Le coup était cadré, mais c'est parfaitement capté par le gardien. Changement de côté, let's go. Oh là là, la mauvaise passe. Voilà, monsieur, c'est parti. Bon ballon là, donné dans l'espace. Ouais, mon gars, Bianga. Ce ballon, donné dans la profondeur. Eh, le ballon renvoyé, l'action n'est pas finie. Vas-y, tire. Oui, le bon plongeon. Putain, dommage. Pourquoi tu votes 8, Sofia? T'as mis voter non, wesh. Ouais, full line celle-là. En fait, vous voulez enrichir DG en fait. Le corner. Un bon pressing de la défense, la tête est manquée. J'aurais jamais dû miser. Attention, on s'arrête parce qu'il y a un but qui vient d'être marqué au Bernabéu. Pourquoi tu les manipules? Oui, oui, il s'agit du premier, premier but, frérot, en faveur de Liverpool. Un but à zéro, donc après... Sinon pourquoi d'autres en fait? Tu sais très bien que t'as la réponse. Pour rester premier, tout simplement. Depuis 15 minutes, on voit que l'équipe locale a clairement pris les choses en main. Oh mais quel but! Personne ne l'a vu venir. Personne ne l'a imaginé. Et il n'y a que lui. Comment elle est montée, hein? Oh là 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 là, mais quel joueur! Arrêtez-le! Ta! Oh là 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 là, Zaki Nazaki! Non, c'est trop! 9 buts en 6 matchs! Il me fait aimer le football, il me fait aimer FIFA! Il me fait aimer les carrières plus que fut parfois! Un simple joueur créé, t'imagines? La transversale pour renverser le je deux. Sais toujours pas quoi voter. Bah, faut être vite parce que. Oh, l'égalisation peut-être. C'est bientôt fini, frérot. Ouais, super, sans commettre de faute. La prédit, elle se ferme dans quelques secondes là. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre. Elle se ferme dans 8 minutes. T'es mal à prédit. Sa performance avec des chiffres depuis le début du match, c'est un véritable danger. Sans lui, t'es chômeur. Ah, frère. Oui, sans Zaki, les gars, je suis chômeur. Peut-être au début, au milieu ou à la fin. Sans Zaki, je suis à Pôle emploi, les gars. Il reste impliqué pour marquer des buts. Il est inspiré. Il va rester 7 minutes. Dépêchez-vous. Ouais, on va faire des changements parce que là, à la fin du match, ça va être chaud. Allez, on compte encore sur monsieur Amin Zaki. Personne d'autre. Ah merde. Oh là, il est parfaitement réussi ce geste. Merci. Merci. C'est parti, let's go. La passe profondeur, let's go. Merci Soko. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Attention à la frappe. Dommage. Oh, l'intervention, Mike Maignan. Ce classement, il me dégoûte là. Ouais, R.U. Après, c'est parce que moi j'ai voté. Hein. J'aurais pas voté, je serais devant. Je suis premier et dixième. Voilà. J'arrive, Junior. Ouais, ça doit être ça. Tu veux faire un duel? Voilà, une feinte avec ce corner joué en deux temps. Un ballon bien travaillé sur ce centre. Et c'est capté, là, sans trop de problèmes. Les gars, il est bientôt 12h12, hein, faites gaffe. Hein. 12h12, le premier qui met la cote, il gagne. Raphaël Léao. A une occasion de ça coup, fait 4 jours de suite qu'à chaque fois, à 12h12, le premier qui met la cote, il gagne. Coïncidence, je ne pense pas. Vas-y. Merci, c'est parti. Efficace, super intervention. On voit à l'écran un bref rappel pour dire que le foot continue avec une rencontre à venir. J'ai hâte de voir ça. Un bon moment de football. Bah oui, voyons. Mais de quoi? Bah oui. Ça fait 4 jours de suite que je vous le montre et vous êtes là, vous arrivez pas à me croire toujours.
Moi je vais prendre mes sous, hein. Je vais mettre code 50 là. Ouais, c'est une phase de préparation intéressante avant. Bombasso! Vous allez pour vos oreilles, les gars, let's go! À cette distance en plus! 1! Ah ouais! Quand même! Et avec ce but marqué, tu sais que le but, Badi, c'est de faire entre 76 et 100 à la base. C'est pas de faire 1. C'est pas de faire le plus petit chiffre. Voilà, c'est parti, let's go. La Mezaki. Il accélère. Passe aux jambes, crochet. Putain, dommage. Était pourtant prometteuse, mais elle est finalement mal négociée. Il va rester 20 minutes. Iago se passe avec la balle. Attention, l'occasion pour revenir. Oh, le petit bon. À la moitié. Dommage. T'es chaud. Ah, frère, on a une bonne équipe. Hein. C'est pas donné à tout le monde de faire 76 et 100. C'est vrai. C'est vrai. Le corner. C'est parti, Hakimi. Et vous le savez sans doute, hein, ce rendez-vous de... C'est parti, Hakimi. Bien sûr, sur nos antennes, l'AC Milan affrontera Newcastle. J'ai hâte de voir ça. Une rencontre très intéressante à suivre. Voilà. Grosse présence au contact. Ballon récupéré dans le camp. Tac. Tac. Avec Ibrahim. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Moi je ferai un fort effort. L'arbitre laisse jouer, avantage selon lui. Aïe. Ah, le contre est possible. Voilà. Récupération du ballon. Et là, passe en retrait. Viens ici. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Vas-y, let's go. Ouais. Bouffal reçoit le ballon. Un ballon intercepté, bonne intervention. Ça sort en touche. Faute, et donc l'arbitre. Mais les qui reviennent, là, je vois, ils font des changements, ils commencent à cheater leurs joueurs, tout ça. Ballon pour Sofiane Bouffal. Ouais. Contrôle, frappe. Ouais, le bon plongeon. Dommage. Sur cette action. Peu importe qui gagne, je préfère que l'Inter marque en premier. Moi aussi, en vrai, je m'en fous du match. Hein. Clairement. En deux temps. Allez, le crochet pour aller provoquer à l'intérieur. Eh, ballon rentré. Vas-y. L'action continue. Ouah, penalty. Le hors-jeu signalé, là, dommage. Il faut être patient sur ce genre de passe. Ça va être Darrel. Il faut prendre le temps de bien la mâcher. Dani Carvajal. Y'a rien. Ouais, sans faute, c'est récupéré. Tac, tac. C'est officiel, on jouera encore 2 minutes supplémentaires. Oh ouais, joli. Dommage. Frappe, mais ce n'est pas cadré. Bravo à Minzaki, à son équipe. On s'est imposé face au Milan AC. 3 buts à 1. Sans surprise, j'ai envie de vous dire, on est à domicile quand même. Un vainqueur à domicile depuis le début de la saison. Peu importe l'adversaire, on les tabasse. On les chicote. Pleure, c'est le signaux. Plutôt GG à Minzaki, exactement. 9 buts en 6 matchs, putain. Et là maintenant ça va jouer contre la Juventus. Après je vais aller faire le... Je vais aller jouer avec le crack là, Lamine Yamal. Monsieur Lamine. Ça va et toi mon ref? Bienvenue. Je vais refuser tous les talents, il n'y en a aucun qui est bon. Pour être recruté, il faut coûter au moins 1 million. 300K lui.
On m'a proposé d'entraîner le Danemark carrément. Mais ça va pas la tête. Les gars, on va jouer contre la Juventus. Est-ce que on va gagner contre la Juventus, tout simplement. Et j'allais faire simulation. Eh, vous savez quoi les gars, après ça on fait un test de footix. Ça fait longtemps. Lamine Yamal, il est trop fort, de ouf, il est chaud. 15 ans, oui. C'est-à-dire dans 5 ans, il aura que 20 ans. C'est une dinguerie. Je sais pas ce qu'il mange lui, mais... Si tu gagnes beaucoup, tu peux acheter Mané et Edouard Mendy. Ouais, de ouf, c'est une possibilité. Ils font partie de ma liste. C'est parti. Mais si si mon club gagne de l'argent dans et que je peux avoir Mané dans 3 ans, je le prendrai pas. 3 ans, ils vont plus rien Mané. La compo de la Juventus, Chesty dans le but, McKenny sera associé à Zakaria au milieu de terrain et enfin en attaque, ça jouera donc avec ouais. Contrôle, frappe de Zaki. Non, il est chaud. Il est trop fort. Amine Zaki, mesdames et messieurs. Sur l'image, on voit bien le ballon lobé en profondeur qui passe par-dessus tout le monde. Et ensuite, son corps est bien placé en équilibre. La reprise des volets, c'est du tempo. Allez. Et de la coordination. L'engagement donné par la Juve. Waouh. La Zaidan va revenir dans ce match. Ouais, c'est bien vu, sa bonne interception. Tranquille. Oh, les gars, cette nuit, vers 3h du matin. King là, il s'est réveillé, il est parti courir devant la porte d'entrée, il a aboyé comme un fou. Comme s'il y avait un voleur qui essayait de rentrer chez moi. Je suis sorti, il n'y avait rien du tout. C'est vraiment un vigile, ce petit chien là. Il était prêt en découdre, il était vénère, wesh. Bon, le ballon tape le cadre, on s'est dit que c'est le but. C'est donc ça, avoir un pitbull à la maison. C'est peut-être un tournant. Ah, on a vu mieux en matière de défense. Vlahovic. Grenier tout ça là. J'ai fait wesh. Pour Dujan Vlahovic. Et oui, le tir. Et le gardien qui écarte bien le danger. Ça se trouve, il a vu. Ça se trouve, il a vu un genou, non? Wanga. Quand on regarde ce classement du Real Madrid, c'est une Vas-y. Situation assez préoccupante pour les Verts. Effectivement, c'est un début de dommage. Saison assez néfaste. Mais je reste un éternel optimiste. C'est mon ancien club, je discute. Non. C'est pas fin. Mon ancien club dans cette carrière-là. Place pour avoir de l'ambition. Dans cette carrière-là, il a commencé à Monaco. Il a jamais joué à la Juventus. Elle n'a pas son profondeur. Attention. Oh, sans dommage. Dans les bras du gardien. L'esprit de Annabelle. Ah, frère. Ce soir, je regarde Annabelle 2 avec la communauté. Si vous êtes là, venez sur TikTok. Je pense après le match, vers 23h. Il a des options qui s'offrent à lui. Vas-y. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon Putain. Est Oh, la communauté TikTok, les gars, c'est une dinguerie. Hein, comment je me retiens des fois. Mais c'est taré, frère. Ah, il cherche l'espace, Chiesa. Mais non, ça trouve pas le partenaire. Parce qu'en fait, tu peux pas... En fait, on peut pas vraiment modérer sur TikTok. Donc ça casse les couilles. Ça c'est un super élément évidemment de cette équipe. Reste à savoir à quoi maintenant on peut s'attendre durant ce match. Oui, ces statistiques de buts marqués sont phénoménales. Regardez. À deux doigts de marquer son deuxième but. C'est bon, je serai là. Let's go. Il a eu le dernier mot sur cette action. Ça va et toi, Rome? Allez, on joue simple avec monsieur. Amine Zaki. Dommage. Le ballon sort en 6 mètres. Mais c'est déjà que les abonnés qui commentent, hein, non? Je sais pas, faudrait que je regarde les paramètres. J'avoue, c'est vrai ça. Genre qu'il y a que les abonnés qui commentent. Genre faut me suivre quoi en fait. Weston McKenny. Incroyable, j'avoue. La Juve qui perd le ballon. Mais là, ils veulent trop vivre pour les caméras.
pour Dusan Vlahovic. Ils veulent trop commenter exprès pour avoir mes réactions. Le ballon pour Kulusevski. Oh, bien placé Vlahovic. Hors jeu frère. Le but de la Juventus. Putain. La Vlahovic n'a pas dit son dernier mot avec cette égalisation. Qu'est-ce que tu racontes, DG? Qu'est-ce qui lui arrive? Il est sûr que ça va? Et comment il doit s'ennuyer lui après les examens? Hé! Wesh! Je crois que c'est mieux que je tirais avec Zaki maintenant. Oh la frappe! Mais ça finit comme au Papadopoulos. On va tirer que avec Zach. Weston McKinney. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Kulusevski est dans la surface. Wouhou! Intervention. J'ai eu chaud. Le coup de sifflet de l'arbitre. J'ai jamais vu un tir comme ça, mais frère, quand t'as des joueurs comme ça qui ont 50 en tir, à un moment donné, voilà, t'es plus choqué quoi. Sa performance avec des chiffres depuis le début. Voilà, ça c'est un bon joueur ça, tu vois. 3 tirs, 1 but, taux de réussite 33%, let's go. Parce qu'il apparaît même quand tu ne l'attends pas, il peut marquer. Il y a moyen après deviens pro là. Là le prochain jeu qu'on va jouer, ça se peut que j'aille sur NBA. Ça fait longtemps NBA en vrai, ça commence à me manquer un peu. De mettre des shoots à 3 points là. Pas vous? Est-ce que ça vous manque NBA? Vous, vous préférez Fortnite vous? Allez, c'est reparti, la deuxième mi-temps. T'as recréé une carrière? Non. Je vais recréer une carrière, je pense. Donc on va trouver ensemble un blaze stylé. Très beau le geste technique. Oh le bâtard. Vlahovic bien servi. Attends, mais comment il est jamais hors jeu? C'est un truc de ouf. Attendez. Voilà, attendez. Tac. Là la balle elle est donnée. Ah ouais, mais c'est lui, il couvre, c'est un imbécile, là. Putain. Il fout la haine, ce mec. Voilà l'exagération de l'efficacité. Un but direct d'origine. Quel joueur incroyable. Ah, mec, ça joue bien après. Le match reprend, le score est maintenant de 2-1. Et à l'affiche des matchs à venir, ce rendez-vous de Première Ligue, la Juventus à Newcastle. Et oui, le football, c'est quelque chose de festif. Je vois ce match comme une loupe. Allez, tiens. Faut jamais le provoquer, les gars. Monsieur Amin Zaki. Quel homme. GG, merci, monsieur. Allez, moi, il pousse le ballon. Il n'y a personne qui l'attaque, on roule, voilà. Ça c'est le football. C'est pas les vieux tirs des autres milieux de terrain là. Est imprévisible, tellement de buts, tellement de rebondissements. Allez. On espère vraiment que la suite sera aussi captivante. Tac. Tac. Wanga. Ah, il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir. Ouais. Bon. Bouffal. Et c'est l'occasion pour mener. Et oui, Chesney, incroyable. Ah là là, Seigneur, j'espère plus rien de Bouffal moi, ça y est. Je crois que je vais le vendre au prochain mercato. Finito le petit Bouffal. Hors jeu. Allez, il faut s'appliquer sur ce ballon. Et oui, le but de ce but pour reprendre le dessus. Cette rencontre bascule à nouveau. Damn. Le match reprend. Les Bianconeri mènent au score. Que des buts à la limite du hors-jeu, ça me tabasse. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Ouais. Ballon pour Sofiane Bouffal. Vas-y, deuxième poteau, ouais. Mais mets ta grosse tête. Ouais,
presser, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Oh, ce ballon, dommage, passe vraiment pas loin. Très bien tenté. Il y a hors-jeu, non? Ouais, mais apparemment il n'y avait pas hors-jeu là. Changement à venir pour la Juve. Weston McKennie. La position n'est pas favorable à la Juventus et pourtant ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est sa maîtrise d'autres éléments très importants. Let's go. L'espace et le temps. Ah oui, il n'a pas faim lui. Sans toucher plus le ballon, elle arrive à être beaucoup plus dangereuse. Il est chaud ce mec avec ses buts. Mais quel mec, là c'est pas un mode en ligne là. C'est le mode carrière mon ref. Depuis tout à l'heure, il dit il est chaud le mec en face. Ça part dans la surface, peut-être vers un partenaire. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Le ballon pour Hakimi. Ouais, pas but. Mal, il est dangereux ce ballon vers la surface. Ta. Oh, ah ouais, j'ai rêvé. Sans difficulté. Vas-y, mettez la pression. Dommage. Petit rappel avec cette prochaine affiche qui nous attend. Et oui, quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est un match qu'il ne faut pas manquer. Faute sur Zaki. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Il a grave simulé. Vous allez bien sinon, bien et toi mon gars? McKennie. Filip Kostic. Ouais, c'est une bonne défense avec cette interception. Ouais, c'est parti. Non. C'est finalement l'adversaire qui reprend ce ballon. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Ouais, bon ballon, la pour Vlahovic. Non, franchement. Encore une chance. C'est dingue de toujours être à la limite du hors-jeu. Et but, ça y est. Allez. C'est fini, les gars. C'est fini, les refs. Défaite. Qu'est-ce que tu te dises? Merci, de rien, mec. Rapport mensuel en Algérie. Tiens, qu'est-ce qu'il y a en Algérie, là? Nul. Oh, ça va, lui. Il coûte 700K. 100K, c'est mort. 400K, ça pouvait aller, mais bon, pas le time. Nous, on veut vraiment des gens qui valent cher. Donc là, c'était la première défaite de la saison, là. Deux victoires, quatre nuls, une défaite. Et on va jouer contre le Sporting. Les gars, je vais simuler contre le Sporting. Donc, prédit victoire ou pas. Je vais simuler contre le Sporting, let's go. Pilules, ah ouais, je crois qu'il faut lâcher ça. Hein. Carrément, le bot il a dit faut lâcher ça, essaye demain carrément. Allez, bâtard. Allez, c'est parti, 3, 2, 1. Est-ce qu'on va gagner contre le Sporting en simulant? Et la réponse est oui. On gagne en simulant. T'es un manager, ouais. Ouais, là on est coach. Les gars, vous connaissez l'application? Il y a une application, c'est un jeu. Et t'es président d'un club. Tu peux être président de maximum 10 clubs. En fait, au début, tu commences avec un club. Et après, en fait, tu gagnes de l'argent avec le premier club. Et t'as tellement d'argent que tu peux acheter un deuxième club, etc., etc., etc. Tu changes le coach, tu changes les dirigeants, tu changes le staff, tout ça. C'est grave lourd. Vous connaissez pas? Attendez, je vais vous dire c'est quoi. Vraiment, c'est satisfaisant. Moi, je kiffe. Attendez. C'est Football World. Football World 2. Voilà. Vraiment, pour les gens qui veulent faire ça, qui aiment l'argent. Qui aiment se prendre pour Nasser El Khelaifi. El Khelaifi, comme on dit. Putain, j'ai vu là les carrières, en vrai, putain. Allez, on va aller voir monsieur Lamine.
Les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros like, ça ferait grave plaisir. Si vous voulez plus de live, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, Junior TV Gaming. Je fais environ entre 5 et 8 heures de live par jour.